Bonjour à tous, je suis Anne-Laure, alias Le Champignon Rouge. Je suis couturière, illustratrice et brodeuse addict. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose qu'on parle broderie machine et qu'on parle de ma technique préférée en broderie machine, la technique de l'ITH. ITH, c'est l'abréviation d'In the Hoop, ou en français, tout dans le cadre. C'est une technique qui va permettre de venir créer des produits finis directement dans le cadre de la brodeuse. On peut faire toutes sortes d'objets, des plus simples aux plus complexes. Des doudous, des trousses, des sacs, des toises. Il y a beaucoup de possibilités. Aujourd'hui, je vous propose de commencer par cet objet, cette super petite chouette qui est très simple à réaliser. Elle va se réaliser en un seul cadre. Alors, avant de commencer, je voulais remercier chaleureusement Corinna de Ch'tic-Tir. Corinna, c'est la créatrice du fichier de broderie pour faire cette jolie chouette. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous avez envie d'aller acheter le fichier vers sa boutique Etsy, et je vous invite aussi à vous balader sur sa boutique parce que moi je suis une très grande fan de son travail. Je trouve vraiment ce qu'elle fait très joli. Allez, je vous emmène avec moi dans la réalisation de ces super chouettes. Pour le matériel, nous allons avoir besoin de chutes de tissu doudou pour faire le corps, de chutes de tissu pailleté pour faire les yeux. On va également avoir besoin d'une chute de ruban pour pouvoir faire la tâche. On va avoir besoin d'aiguilles pour la machine, bien sûr. Donc là, j'ai pris des Schmetz Gold. 75 suffit parce que mon tissu est assez fin. On va également avoir besoin de fil. Donc pour le fil en canêtre, je vais utiliser le bobine fil de Madeira, qui est un fil de coton. Et pour le fil supérieur, je vais prendre du rayon de Madeira, donc à la fois des couleurs contrastées et une couleur ton sur ton avec mon tissu doudou. Et puis, je vais tester un fil, vous savez, un fil qui change de couleur au fur et à mesure. Là, il est dans les tons orangés. C'est le Mettler Polychine Multi, qui lui aussi a l'air très brillant. Et je vais l'utiliser pour faire l'appliqué qui va être autour des yeux. Je vais également avoir besoin de stabilisateurs. Alors, pour les stabilisateurs, dans le cadre de broderie, je vais prendre du stabilisateur à déchirer. Donc ici, c'est le Cotton Soft de Madeira. Bon, je ne vais pas le laisser dans le champ parce que sinon, ça va être pénible. Et puis, je vais aussi utiliser, alors j'espère qu'il ne va pas y avoir trop de reflets, un stabilisateur hydrosoluble. Là, c'est le film Avalon ou Avalon, je ne sais pas comment on prononce, pour que la broderie reste bien en surface du tissu doudou, qu'elle ne vienne pas être aspirée, entre guillemets, par le poil, et qu'on, voilà, qu'on puisse bien la voir une fois qu'elle est réalisée. Je vais également utiliser un stylo-colle. Ça, c'est le stylo-colle hydrosoluble de chez Prime. Ça va me servir à fixer le tissu pailleté sur le tissu doudou et pour qu'il ne bouge pas pendant la couture. Et enfin, je vais avoir besoin d'une aiguille à main et de watts de rembourrage. Voilà, on voit mieux. Pour pouvoir terminer le projet. Je démarre la broderie du hibou, donc avant cela, je suis venue choisir un cadre de broderie. Mon motif fait 10 par 10, donc je suis venue choisir le cadre directement supérieur. Donc pour moi, c'est un 12 x 18 à l'intérieur de ma Bernette B79. Et dans le cadre de broderie, j'ai mis le Cotton Soft de Madeira. Ici, il y a uniquement le Cotton Soft. Ce que j'ai fait également, c'est que je suis venue transférer le motif de broderie. J'ai payé mon motif de broderie sur Etsy. Ensuite, j'ai reçu un mail avec un fichier zippé que j'ai dézippé. À l'intérieur, il y avait, je crois, 8 extensions. Je ne me rappelle plus du nombre exact avec le fichier hibou. Moi, j'ai choisi le .pes. La Bernette lit une dizaine de fichiers différents. Le .pes, c'est les extensions de browser, je crois. Et j'aime bien travailler avec cette extension-là. Enfin, je trouve qu'il y a une haute résolution et que ça bug moins que les autres. Alors après, c'est juste un ressenti, mais voilà pourquoi. Je l'ai mis sur ma clé USB, j'ai inséré la clé dans la machine, et je suis venue récupérer le fichier de broderie hibou. Donc là, je vais pouvoir commencer et lancer la première étape. Donc cette première étape, elle va consister à venir broder uniquement sur stabilisateur le contour du hibou. Donc voilà, la machine s'arrête, et ici, moi, je vais venir couper le fil pour pas que ça s'en mêle. Et je lance la suite.
à la première séquence de broderie, je sais où je dois venir positionner mon tissu. Donc je prends un morceau de tissu doudou, la partie poilue entre guillemets vers moi, et par-dessus, je vais venir mettre le film à vallon sur toute la surface. Comme ça, je n'ai pas à m'embêter pendant les autres séquences. Et j'ai mis des petits morceaux de masking tape. Je vais peut-être en rajouter en plus pour que ça ne bouge pas durant la prochaine séquence de broderie. Donc là, j'ai pris un fil qui est contrasté pour les besoins de la vidéo. Chez vous, je vous conseille de rester plutôt à cette étape-là sur un fil qui soit ton sur ton. Comme ça, s'il y a des décalages qui se créent au fur et à mesure des séquences de broderie, ça ne se verra pas, pardon, sur le résultat final. Donc là, je lance la séquence suivante. La seconde séquence de broderie a permis de maintenir ensemble sur le cadre le tissu doudou, le film à vallon, et également de noter le positionnement des yeux. Donc sur ces yeux-là, en fait, je vais venir mettre un peu de colle hydrosoluble en bâton. Alors j'en mets seulement à l'intérieur des yeux, parce que je ne veux pas que ça dépasse autour, je vais avoir besoin de recouper le surplus de tissu pailleté, et je viens de positionner mon tissu pailleté, le tissu qui va servir... Hop, on voit pas, pardon, le tissu qui va servir ici pour les yeux. Et là, je vais lancer ma troisième séquence de broderie. Grâce à cette troisième séquence de broderie, le tissu pailleté est appliqué sur les deux tissus du dessous. Donc, je vais venir, à l'aide d'un ciseau à appliquer, enlever tout le surplus pour qu'il nous reste vraiment que les yeux. Donc, pour venir enlever le surplus tissu, moi, j'adore utiliser les ciseaux à appliquer, aussi appelé ciseau pélican, je m'en sers aussi pas mal en broderie. C'est un ciseau qui a cette forme là, donc celui-là vient de chez Prime, et vous avez une partie ici qui fait comme un bec de pélican, qui est plate, qu'on va venir plaquer sur le tissu, et ça va permettre de couper au plus proche de la couture sans couper la couture. Voilà le résultat après le passage au ciseau magique. La séquence de broderie suivante, la quatrième, ça va être pour faire la rosace qui est tout autour des yeux, ici. Donc c'est pour celle-là que je vais venir tester le fil polychine de Bettler. Voici le résultat de cette séquence de broderie. Et maintenant, la séquence suivante, c'est qu'on va venir faire le bec. Voici le résultat du bec brodé. Et maintenant, on va passer au point Saint-Ain tout autour des yeux. Hey, avec les variations de couleurs du polychine, je trouve ça vraiment stylé. Ça apporte vraiment quelque chose, beaucoup moins quand la couture est plate, mais alors vraiment dès que c'est du point satin, c'est très chouette. Et maintenant, la prochaine séquence, on va venir broder les ailes. Ça y est, mon hibou a des ailes. Donc là, dernier petit détail avant de passer à des choses un peu plus intéressantes, on va venir broder les yeux. Ça y est, tous les détails du corps sont positionnés. Maintenant, on va venir positionner la tache qui est ici au-dessus de nos petites chouettes. Donc la machine va venir faire une première séquence pour pouvoir marquer l'endroit où on doit venir positionner le ruban. Et ensuite, il va y avoir une deuxième séquence pour pouvoir venir fixer ce ruban. Alors, je viens mettre de la colle hydrosoluble à l'endroit qui a été marqué par ma précédente séquence de broderie. Je prends mon ruban, je place mon ruban, la boucle vers l'intérieur du hibou, donc en direction du bec et le bord brut sur l'extérieur. Parce
qu'en fait, quand on va venir retourner, on veut que la boucle, on la ressorte et qu'elle soit sur l'extérieur. Donc ici, il faut la positionner sur l'intérieur. Et là, je vais lancer la séquence de broderie suivante. Je vais quand même tenir mon ruban, on ne sait jamais. Il nous reste désormais la toute dernière étape à faire dans le cadre de la brodeuse. On va venir fixer le dos de la chouette. Donc pour ça, je prends un autre morceau de tissu doudou qui soit un peu plus grand que la broderie. Je viens le placer endroit contre endroit, c'est-à-dire que moi je vois l'envers du tissu et les poils du tissu doudou sont contre la chouette. Alors il faut faire attention parce que celui-ci, les poils ont un sens, donc de bien positionner les poils dans le même sens. Donc voilà, je le positionne endroit contre endroit et je vais venir ajouter des petits morceaux de masking tape pour être sûr que ça ne bouge pas pendant la broderie. La brodeuse a terminé son travail, maintenant c'est à mon tour d'agir. Donc là, je vais enlever tout ça du cadre. Je vais enlever le stabilisateur de broderie et puis je vais venir détourer en laissant environ 5 mm tout autour de ma forme. Et après, je vais venir retourner et je vais enlever l'hydrosoluble. Je vais venir également cranter tout autour avant de retourner. Donc je vais faire une entaille de ciseaux au plus proche de la couture, à peu près tous les centimètres. Voilà, là j'ai arraché le plus gros du stabilisateur hydrosoluble. Il en reste un peu, soit vous pouvez laisser comme ça, soit moi là ce que je vais pas faire en l'occurrence pour les besoins de la vidéo, mais que j'ai fait sur les autres, c'est que je les ai passés à la machine à laver pour pouvoir enlever le film complètement. Donc bah, maintenant, on va passer au rembourrage par l'ouverture. J'ai bien avancé sur le rembourrage de la petite chouette. J'hésite pas à mettre beaucoup de watts de rembourrage parce que ça a tendance à perdre en densité au fil du temps. Donc maintenant, je vais venir fermer l'ouverture au point visible et au fur et à mesure que je vais fermer, je vais rajouter de la watt ici en bas. Voilà, ma mignonnerie du jour est terminée. Elle va aller rejoindre ses frères et sœurs et mon sapin de Noël pour Noël prochain. J'espère que ça vous aura donné envie de faire de tenter de nouvelles choses avec votre brodeuse. Et je vous souhaite une très belle créativité. Bonne fin de journée à tous!